Nous allons sans plus attendre retrouver notre Didi National qui vous présente, il vous a surpris tout à l'heure avec le petit bonhomme, il vous présentait un numéro du même style, mentaliste. Aussi surprenant. Je vous laisse en compagnie de Thierry. Le bar est ouvert. Alors, comme tout à l'heure, un tour de mentalisme, j'aime bien ça, c'est pour ça qu'on va essayer. Je vais prendre quelqu'un au hasard, tiens Sophie. Sylvie. Oui, on va prendre Sylvie. Non, non, si, si, j'aime bien. Non, non, prends pas Sylvie, change, il y en a marre d'abord. Oh, j'ai fait quoi ? Encore, trois fois. On va le rassurer son salaire à la fin de sa soirée. Pour la peau de Sylvie, vous connaissez. Alors, comme tu peux remarquer, on a des verres. Alors, bouge pas, je vais Je tiens à préciser que Sylvie n'est absolument pas complice. Hein. Pas du tout. Au bout de trois fois, quand même, c'est suspect. Au bout de trois fois, ça commence à devenir suspect, mais il n'est pas complice. Non, pas du tout. J'étais en canoë kayak cet après-midi sur la rivière. Et ah, ouais, c'est bien. Comme tu vas bien. Ah, Xavier. Super. Tu ne vois pas dans les verres des autres. Ils sont tout le monde. Voilà. Donc, comme tu peux remarquer, ils sont mais entièrement opaques. Mais tu vas goûter entièrement opaque. Pour boire ça, oui. Tout ça, oui. Ah oui. Tout neuf, tout propre, c'est lui. Alors regarde ce que tu vas faire. Ici, il y a de l'eau. C'est de la vitelle qu'on a mis dans une petite bouteille. Donc de l'eau. Et pour t'en rappeler, la bouteille est en face. Après, il y a du coca. Ça, tout le monde connaît. T'aimes pas trop, hein. Tu bois pas trop. J'en mets un petit peu. Voilà. Coca. Alors ici, nous avons pomme, cassis, framboise. Voilà. La fameuse bouteille qu'il faut secouer. Orangina. Voilà. Et Schweppes. Schweppes à grumes. Alors, moi bien sûr je ne vais pas regarder. Et on va essayer de faire un tour de transmission de pensée. Tu vas en boire un, je vais me retourner et après je vais te poser des questions. C'est-à-dire que je vais te poser des questions et tu vas me dire toujours non. Tu vas dire non. Quand je vais te dire est-ce que tu as bu de l'eau, tu vas me dire non. Quand je vais te demander est-ce que tu as bu du coca, tu vas me dire non. À chaque fois tu vas me dire non. Et peut-être qu'à un moment donné, ton nom ne sera pas le même que les autres. Et peut-être, suivant l'intonation, je vais le ressentir et je vais deviner avec quel verre tu as bu. Donc essaye de dire toujours les mêmes noms. Non. Mais tu sais que tu vas mentir à un moment donné. Tu vas mentir. Alors vas-y, tu en prends un et tu goûtes. Est-ce que tu as goûté? Non. C'est vrai qu'il faut toujours mentir. À ce moment-là, il fallait nous dire oui. Mais c'est pas grave. Vous avez compris pourquoi je prends Sylvie. Je vais te poser une question, Sylvie. Est-ce que tu as bu de l'eau? Non. Est-ce que tu as bu du coca? Non. Est-ce que tu as bu du pomme, cassis, framboise? Non. Il reste l'orangina? Non. J'ai pas dit Jacqueline. Est-ce que tu as bu de l'orangina? Non. Non. Est-ce que tu as bu du Schweppes? Non. Ah. J'ai un doute sur le coca et le Schweppes. Est-ce que tu as bu du coca? Non. Est-ce que tu as bu du Schweppes? Non. C'était du Schweppes. C'est ça? Oui. Le verre tu veux, celui que tu as envie. Je présume que tu l'as fait. Ça y est. Et là, cette fois-ci, je vais te poser des questions et tu vas me répondre mentalement. Au moment où c'est la bonne boisson, tu vas me dire oui, c'est ça. Mais dans ta tête. C'est-à-dire, tu ne le dis pas verbalement, tu le dis dans ta tête. Et peut-être je vais ressentir ce non, c'est oui, c'est ça à ce moment-là. Est-ce que tu as bu? Oui, hein, je pense que oui. Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est du coca?
de l'orangina. C'est oui, c'est ça, hein, c'est pas plus de mots. Hein. Est-ce que c'est du choix de s'agrumes, pomme, framboise, cassis? Et là, j'hésite encore. Toujours ce coca à chaque fois. Est-ce que tu as bu du coca? De l'eau? Je pense que c'est de l'eau. C'est ça? Tu vas mélanger les verres, comme ça plus personne ne saura où sont les verres, où sont les bons liquides. Donc tu mélanges, tu mélanges. Je mélange pour le coup. Ça va, c'est sympa. Merci. C'est bon. Donc là, tu vas en boire un, mais tu sauras que au goût lequel t'as mis. Tu en bois, hein. Est-ce que tu reconnais cette boisson, Sylvie? Oui. Je pense que c'est une boisson sucrée. Je dis oui ou je dis non? Ah, tu dis rien, c'est moi qui parle. Une boisson sucrée, une boisson pétillante, donc ce n'est pas de l'eau. Je crois que c'est la boisson la plus vendue au monde. Est-ce que c'était du coca? Oui. C'était lequel? C'était celui-là. Et bien voilà, je crois que c'est... Tout ça, voilà. Ça t'a plu, Sylvie. Sylvie et Thierry.